Salut à tous et bienvenue sur Vision Hightech. Aujourd'hui donc on est sur Autonomique Marseille et on va se diriger sur le stand de Axos. Axos qui est une société qui présente de la basse vision. Et on va voir donc Alexandre qui va nous présenter une vidéo loop un peu spécifique. Voilà, donc on est sur Autonomique Marseille et c'est sur Vision Hightech. Merci de regarder cette vidéo, surtout pensez bien à vous abonner et je vous dis donc à tout de suite, on va rencontrer Alexandre qui va nous expliquer la Snow 7. Salut Alexandre, comment tu vas ? Très bien. Ouais. Bah écoute, qu'est-ce que tu fais ? Toi, t'es chez Axos. Ton rôle chez Axos, c'est quoi ? Voilà, donc moi, je m'occupe de tout ce qui est support technique de chez Axos, hein, des produits. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la Snow 7 HD+, qui est une vidéoloupe vocalisée. D'accord. Alors, le principe est simple. Donc, c'est une vidéoloupe classique qui permet de grossir et de modifier les contrastes. Donc là, rien d'exceptionnel. Ok, et lorsque tu fais ça, là par contre les menus sont pas vocalisés. Non. Okay. Non, non. Par contre, ce qu'on a intégré dans cette vidéoloupe, c'est un OCR. C'est-à-dire que la vidéoloupe va pouvoir lire pour vous. D'accord, super. On lance l'OCR. Alors je vais brancher des haut-parleurs, parce qu'ici il y a un peu de bruit afin que vous entendiez mieux. Donc la vidéoloupe va lire ce qu'elle voit. Donc par exemple ici, on voit une dizaine de lignes. Afin de pouvoir lire une page A4 en entier, nous avons créé ce support. Ok, donc elle, on peut donc la mettre sur un support. C'est spécifique à la Snow 7 quoi. C'est pour la Snow 7 HD+. Donc ça a été développé par Axos. Tout à fait. Ok. Donc, pour obtenir du A4, on se met en mode paysage. Là, on voit bien que nous pouvons lire toute la page. On lance l'OCR. Donc la vidéoloupe prend une photo de la page, va traiter l'image. Elle tirait bas mal d'épaule bizarre. Une humeur sombre où il ne lui ressemblait pas bien repéré par son épouse. Et les elle vous lit donc ce qu'il y a décrit sur le document. Donc Snow 7, ça veut dire que par rapport aux chiffres, c'est que ça veut dire que c'est un écran de 7 pouces. Écran de 7 pouces, écran tactile. Donc nous avons le suivi du document que nous pouvons grossir et nous pouvons aussi modifier la colorisation, les fonds colorés. Voilà. Okay. Hein? Est-ce qu'on peut sauvegarder des photos qu'on fait ou pas pour reprendre l'OCR ? On peut mémoriser jusqu'à 1000 images, okay. Les transférer sur un PC et les importer d'un PC, hein, que ce soit des photos ou des textes. D'accord, donc on peut importer des textes déjà numérisés à partir d'un scanner et les faire passer sous OCR si vous... Tout à fait. Okay. Hein? Ou les photos, on peut importer des photos de l'ordinateur familial sur la vidéoloupe afin que la personne puisse regarder et grossir les photos. D'accord. En termes de grossissement, on débute à combien au plus bas et on arrive à combien au plus haut ? Alors, on est à 1,5 au plus bas et on grossit jusqu'à 19 fois. 19 fois, ok. L'encombrement de 7 pouces permet de la transporter facilement, hein, et par rapport à une taille de main. D'accord. En gros, c'est un gros téléphone. Ok. La qualité de l'écran, c'est quoi ? C'est du HD, du Full HD ? Du HD. Du HD. En termes de prix, on est sur quoi en prix sur ce genre de vidéoloupe ? Alors, la Snow 7 HD Plus vocalisée avec l'OCR, on est à 1199€. D'accord. C'est livré avec une housse, un câble HDMI qui permet de relier la vidéoloupe à la télévision. Ouais, nickel. Hein, ce qui permet de transférer l'image que vous avez sur la vidéoloupe sur un téléviseur, ce qui augmente encore le grossissement. Une housse et un chargeur. Nickel, donc ça veut dire, ouais, on peut faire de l'OCR sur la télé sans problème et on peut avoir le rendu... Tout à fait. L'image que vous avez là sur la vidéoloupe, on peut la transférer facilement sur un téléviseur. Axos donc fait sur la vidéoloupe, donc après vous faites, est-ce que vous faites du télagrandisseur, des choses comme ça ? Oui, on va de la petite vidéoloupe 3 pouces et demi jusqu'au téléagrandisseur. Toutes les vidéoloupes sont OCR ? Non, nous avons uniquement deux modèles qui sont en OCR, la 7 pouces et la 10 pouces.
Ok, parfait. Aujourd'hui, en termes de prix, on part par exemple sur une vidéoloupe en 3 pouces et demi, on est sur... Alors, on va de 249€ à 1499 pour une 10 pouces vocalisée avec OCR. Alors pour contacter Axos, comment par exemple si une personne de la chaîne YouTube veut vous contacter, un numéro de téléphone, un mail, qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent? Alors, vous pouvez nous contacter par mail sur admin@axos.eu, par téléphone ou sur notre site internet www.axos.eu. Axos s'écrit comment? AXOS. Donc vous pouvez nous contacter aussi par téléphone au 01 44 69 89 89. Okay. Ou plus simplement sur notre site internet, vous indiquez dans contact le département dans lequel vous vous trouvez et vous aurez votre correspondant local avec le nom et les coordonnées téléphoniques. Nous avons toute une gamme de lampes à LED pour déficients visuels sur lesquelles on peut faire varier l'intensité lumineuse, la température de couleur. Nous avons des lampes sur batterie, des lampes sur secteur. Votre public, c'est quoi? C'est du public professionnel, particulier essentiellement ou... Alors, essentiellement du particulier, hein, mais nous distribuons aussi tous nos produits aux opticiens. Bon, ben, parfait, ben, Alexandre, merci beaucoup. Et c'est moi. N'hésitez pas donc à aller voir sur le site Axos, appeler, voir si vous avez des renseignements à demander sur les vidéoloupes, sur tout ce qui est lumière, lampe de bureau. Et tout à l'heure sur le stand actuellement aux Autonomiques de Marseille. Orcam, le My Eyes d'Orcam, okay, qui est une petite caméra que l'on vient placer sur les lunettes. C'est une machine à lire et qui va vous permettre de lire à haute voix des documents, un menu au restaurant, etc. Mais mon collègue Andrea va vous faire la démonstration. Donc Orcam, c'est la V2, ce qu'on appelle, donc c'est la nouvelle génération, puisque après avec le collègue d'Alexandre.